Boris Penning, voilà maintenant 2 semaines que tu t'es blessé. Parle-nous un peu du type de blessure et de ton indisponibilité. Donc j'ai le ligament croisé déchiré. Ici, il faut encore confirmer avec l'IRM s'il n'y a pas le ménisque qui est touché. Mais au final, ça ne change rien parce qu'il faut quand même opérer. Donc je me fais opérer le 6 janvier et voilà, j'espère être de retour pour juin. Bon, juin, la saison est finie, donc on préparera au mieux la saison d'après. Ce qui sera bien pour moi, comme ça j'aurai un peu plus de temps aussi pour reprendre confiance en mon genou, etc. Donc voilà. Pendant ce temps-là, Liège Basket continue le championnat. Que penses-tu du début de saison de Liège? Ici, je pense qu'au début, on n'a pas très bien commencé. L'équipe ne tournait pas comme il fallait, etc. Et ici, je vois quand même qu'il y a les 3 derniers matchs où on commence à vraiment bien jouer, on commence à trouver notre rythme, etc. On l'a quand même vu contre Mons, on l'a vu contre Willebroek, puis on l'a vu aussi dernièrement contre Pépincère, où on a fait un tout gros match. Donc voilà, maintenant ici, il faut confirmer contre une équipe de Louvain, sans la dénigrer, qui est un peu plus faible que la semaine passée. Donc voilà, il faudra confirmer. Et je pense que voilà, si on gagne aujourd'hui et qu'on peut limite gagner contre Spirou, là je pense que ce sera un premier tour vraiment très bien réussi. Et on sera à ce moment-là à la 3e place, donc ce sera vraiment bien pour Liège. Alors pour toi, cette année-ci, ta dernière de contrat à Liège, de quoi ton avenir sera-t-il fait? Ça c'est le grand point d'interrogation. On verra un peu comment ça va se dérouler. J'espère que je continuerai à Liège, mais voilà, il faut se mettre à la place du club aussi. Je sais que c'est difficile de pouvoir engager un joueur, après 6 mois d'indisponibilité. Donc voilà, on verra. J'espère que ce sera à Liège. Maintenant, voilà, je vais tout faire pour revenir et après, on verra de quoi l'avenir sera fait. Merci, Boris.